Donc, on s'était la dernière fois laissé avec la configuration du slave dans Jenkins. Donc, on avait juste démarré un container pour faire l'exercice. Donc, Docker PL. Je les ai juste redémarrés, ça m'évitait d'avoir tout le temps à éditer mon rose file, puis que ça avait l'air tout croche, là. Fait que là, on ne le voit pas, mais je l'ai dit. Fait que c'est tant pis. Là, ce qu'on a, donc, on a toujours le Apache pour la question du SSL, le Jenkins pour faire les tâches, là. Le slave, donc un slave qui va nous permettre de lancer des jobs, et toujours notre GitLab pour pouvoir avoir l'interaction comme on avait vu pour extraire le code source. Donc on s'était laissé la dernière fois, puis là c'est pas parce que je m'en rappelle, mais parce que j'ai regardé la vidéo juste avant de venir. Donc on s'était laissé la dernière fois sur la question du Jenkins de valider qu'il arrivait bien à communiquer avec le slave. J'avais juste fait un ping. Et pour faire cet exercice, si je vais dans le Docker, hop, excusez, Docker, cat Docker Compose, j'utilisais le lien qui est donc le link ici, donc le Jenkins slave qui a le nom Jenkins S1 à l'intérieur du container Jenkins. C'est bon là, jusque-là? Ok, on s'est tous remis à jour sur la semaine dernière. J'avais fait un test de SSH et j'avais fonctionné comme ça. Donc, ce qu'on va faire, bon, là, il y a une petite erreur dans la chose. Je vais faire la configuration dans Jenkins, puis on verra si ça donne une erreur. Là, je suis pas mal sûr que je viens de perdre mes DNS. Je comprends pas ça. Pourquoi ça a fait ça? Ça que je voulais. Je comprends pas. Ok, c'est bon. J'aurais dû le faire aussi avant, mais c'est pas grave. Ok, c'est parti. Donc, ici, Jenkins, mon compte admin, pour les besoins de la cause. Je vais retourner ici. Donc là, pour le moment, on avait juste un exécuteur qui était le master. Donc le Jenkins lui-même, je vais aller ajouter un nouveau node, manage node. Ah oui, je vais manquer une chose. Je vais configurer un nouveau node. Ce que j'aime bien mettre dans le node, comme j'ai défini ici, c'est le. Ben là après vous, c'est vous qui choisirez là. Ça a peu d'importance tant que ça la syntaxe. Mais ce que je vais mettre, c'est le hostname de la machine à qui Jenkins communique. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans Jenkins, puis que je regarde ici la liste des exécuteurs, c'est possible qu'avec le temps, vous n'ayez pas une ou deux machines, mais 4-5 machines qui vont être là. Donc, quand tu regardes l'activité qui se passe, tu peux dire, OK, ben cette machine, en ce moment, il y a 4 builds dessus, 3 builds. Donc, tu sais, ça te permet d'avoir directement le hostname. Et ce que je veux aussi avoir, c'est le nom de l'utilisateur qui est utilisé pour faire la connexion. Pourquoi je veux avoir le nom d'utilisateur? C'est que pour des questions de droit. C'est possible que vous ayez un utilisateur qui va être défini pour faire tout ce qui est le processus de build. Vous ayez un autre utilisateur pour faire des opérations du déploiement ou de la génération du script. Et vu qu'il va avoir des permissions différentes au niveau du sudo, au niveau des permissions d'accès SSH, ça me permet facilement de voir, OK, ça build sur telle machine avec cet utilisateur. Oui, quand je lance une job, puis que ça fail pour une raison quelconque, je regarde, je dis, ah ben, c'est vrai, c'est pas l'utilisateur de build qu'il faut que j'utilise, mais celui-là de déploiement. Donc, c'est juste des petits trucs comme ça pour rapidement pouvoir identifier des problèmes, parce qu'après, quand Jenkins, il peut t'envoyer des logs et des logs, là, puis là, il faut que tu... Donc, ça te permet de commencer, je suis sur la bonne machine, le bon user, OK, après, tu analyses le traitement qu'il y a eu à l'intérieur. Donc, c'est des petits trucs que je vais vous donner. Donc, je vais reprendre la même nomenclature que j'ai utilisée là. Donc, Jenkins Bot, ça c'était le nom d'usager qu'on avait défini avec la clé publique. Et je vais le mettre slave C1. Ça a plus ou moins d'importance. Permanent. Parfait. Donc, je vais pouvoir mettre une petite description sur laquelle, Docker slave. Je vais mettre un slave. Un
slave build. Je vais mettre deux exécutions. Je vais définir le répertoire de travail sur lequel il va travailler. Jenkins. Les labels, donc dans quel contexte il va utiliser celui-là, le master. Donc en fait, les labels vont être utilisés pour dire, OK, je veux que cette machine, quand je lance ce build, donc on va définir des labels qui vont être associés, c'est des tags. Donc ça va me permettre de forcer que ça soit qu'il utilise tel ou tel slave. Donc c'est vraiment comme ça que je vais faire ma sélection. Je vais mettre git slave. Après là, c'est libre à vous hein, ce que vous pouvez mettre. L'usage, est-ce que tu veux utiliser le plus possible ce système? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais principalement justement les jobs qui ont justement les labels, les tags qui sont associés pour avoir une meilleure gestion. Surtout, je vais avoir des usagers différents. Et je vais dire établir une connexion en SSH sur la machine. Slave C1. Je vais y arriver. Je vais juste vérifier. Je pense que c'était pas le que j'avais dit. C'était non, le nom de la machine. Ah, tiens, on va fixer ça. Ah. Yeah. Je vais fixer ici pour que ça soit plus beau. La définition des credentials. Donc, comment il va établir sa connexion. On va rajouter. Et ce que je vais dire, utilise un SSH avec un username et une clé privée. Vous savez, on avait défini la clé privée avec la clé publique. Ici, je vais définir le nom de l'usager, Jenkins Bot. Et là, vous avez plusieurs choix. Ou vous pastez la clé privée à l'intérieur du Jenkins, qui peut être une très bonne manière de fonctionner. Ou vous dites, utilisez celui-là dans le home du Jenkins. Ou vous pouvez définir un nom de fichier spécifique qui va être pris pour la clé privée. Encore une fois, ça ne tient qu'à moi de cette méthode de travail, mais je la fais partage. L'avantage d'utiliser la clé privée directement à l'intérieur, c'est que ça va être inclus dans votre backup dans le var home Jenkins. Donc, quand tu fais une restauration du Jenkins, ça va être à l'intérieur. Ça va très bien marcher, il n'y a pas de problème. Donc, ça c'est dans un tout cohérent. Moi, je préfère définir ma clé privée en lui spécifiant le path du chemin. Et c'est pas parce que la mise en place du tout cohérent dans Jenkins est pas bon. C'est juste que ça va me permettre de définir mon serveur Jenkins avec Puppet. Et si ma clé privée change pour une raison quelconque, j'ai pas besoin d'aller dans Jenkins. Mon Puppet va le mettre à jour et Jenkins va le relire le fichier quand il va rétablir une connexion avec l'agent. Donc, pour moi, c'est plus facile d'avoir cette méthode de travail là pour avoir une uniformité de déployer un nouveau Jenkins avec l'ensemble de l'écosystème du Puppet qui est présent. Donc, c'est un choix. Dans les deux cas, j'ai quand même un tout cohérent parce que j'ai mon système de management de configuration qui est là. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est juste la paste là, puis de ne pas avoir de backup ou quoi que ce soit. Là tu aurais une perte. Ce que j'aime pas dans l'utilisation du From Jenkins Master, c'est qu'il n'y a pas possibilité de spécifier le nom. Comme je dis, moi, je vais utiliser mon Jenkins pour établir des connexions en tant que l'usager de build, l'usager de déploiement, l'usager de création de tâches pour faire autre chose. Donc, c'est plusieurs usagers qui vont se retrouver, mais je ne veux pas qu'ils aient la même clé, surtout pas. Je veux surtout que je n'ai pas de passphrase dans le cas présent. Donc, je veux avoir des clés différentes. Donc, en définissant mon path, statiquement, ça va être beaucoup plus facile à gérer pour moi. Donc, après, up to you. La problématique dans le cas présent, c'est qu'on n'avait pas copié la clé privée à l'intérieur du Jenkins. C'est ce que je disais à la dernière de la vidéo hier. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre manuellement. On va dire que normalement, ça devrait être mon système Puppet qui devrait le faire. Jenkins, Dockers. Je pense que je l'avais mis la clé privée ici. Non, c'est juste le authorize key. Euh,
Et là, j'avais pas refait mon save en fait. Attends, data. Yeah. Ok. Un petit moment de doute. Date. 30 août. Ok, c'est la bonne. Donc ça, c'est la clé privée. Je vais aller juste utiliser ici. Fait qu'on va dire que c'est le c'est Puppet qui va mettre en place la clé. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à l'intérieur de... On va juste reprendre là. Docker. Docker. Docker Compose. Yes. Fait que je vais le mettre à l'intérieur du Jenkins dans le volume, donc dans var home Jenkins home, donc qui est bindé aujourd'hui sur ma machine à cette extension. Ça va? Okay. Donc, je vais faire un j'aime qu'à dire SSH. Et je vais copier la clé à l'intérieur. Ça va aller mieux avec un CP. L'utilisation de la clé, c'est super important d'avoir les bonnes permissions pour le fichier, sinon il ne va pas vous laisser faire. 0, 0. Oui, c'est sûr que si tu fais un CCH mode. Les permissions sont bonnes et là je vais regarder les. C'était quoi le ownership des autres là? C'était Xerus. Okay. Ah, mais Xerus. Parfait. Donc, ce que je vais faire maintenant, si je reprends mon. Je vais définir que la clé est présent. Hop. SSH. Et je vais le nom du fichier. Hop. Et voilà. J'avais pas mis de passphrase à l'intérieur de la clé. On peut après up to you pour vous là. ID Jenkins boot SSH key. Key puis une description clé privée. SSH. Ouais, je... Mais quand j'ai pas tout l'équipement là, vu qu'il me manquait le truc pour afficher à la télé là, ça me déstabilise. Ouais, ça me déstabilise, ça me perturbe. Je suis tout seul et je me perturbe. Donc SSH key verification stratégie, qu'est-ce qui se passe dans le cas de à chaque fois qu'on établit une nouvelle connexion SSH, il vous demande toujours le ça. Tu sais, voilà. La clé, hein, est-ce que tu veux, oui, non. Dans mon cas présent, tu sais, ça va être automatisé le système. Donc, je n'ai pas envie d'avoir cette validation. Je ne dis pas que ne la mettez jamais. Tu sais, ça dépend de ton contexte. Si on était dans un environnement PCI avec le compliance de carte de crédit, tu n'as pas le choix. Donc, dans ces cas-là, tu vas définir manuellement les clés, machin. Donc, tu as des manières de le faire. Dans mon cas, la sécurité, elle n'est pas critique dans le cas présent. Je vais garder cet agent hop le plus possible parce que je considère l'utiliser régulièrement. Je vais sauvegarder. Donc, là on voit mon slave qui est présent. Je vais établir une connexion dessus. Et vous voyez, en fait, il est déjà hop dans le cas présent. Build exécuteur à 2. Sinon, j'aurai un petit X. Et si je regarde dans les logs, donc là il dit hop, agent successfully connected, il est online. Et en fait, il a téléchargé l'agent, le slave.jar pour pouvoir fonctionner. Il est déjà prêt. Ouais, il est déjà prêt. Donc, j'ai rien à faire dans le cas présent. Il s'est automatiquement connecté. Et vous voyez maintenant, j'ai les deux qui est présent. Je vais juste regarder dans le master. Ok, j'ai pas d'identifiant. Je vais regarder. Je peux enlever ça, je vais juste lui mettre pour que le master et le slave utilisent les tags, les labels. Je vais le mettre master pour être sûr qu'il ne rentre pas en conflit. 5. Configure. Label. Ok, parfait. Ok. Ça, c'est bon. Wow, c'est gros ça. Ok. Ça, c'est l'ensemble d'explication qu'on vient de couvrir. Okay. Donc là, je vais relancer la job avec de démo GitLab.
Originalement, on voit toujours au début du output build on, puis quel host il a récupéré, donc ça vous permet d'identifier. Là, je vais changer la job pour qu'il soit exécuté sur le slave. Okay. Ben, sur le nouveau slave qu'on a mis en place. Je pense que ça va planter, si je me rappelle bien. J'aime laisser des erreurs dans le truc. Donc, ici, je vais lui dire. Discard old. Okay. Ici, restrict where the project can be run. Hop. Yep. Et là, je peux mettre les tokens que je vais avoir. Et ce qui est bien, je vais taper git. Et là, il me dit label git, il est pour un node. Et en cliquant dessus, je vais mettre. Ah, ok, là, le lien, il n'est pas bon. Excusez. Oui, ah, ça, c'est, on va en profiter. Vous voyez, si je clique dessus, ça l'a ouvert là. Puis vous voyez l'URL? C'est celui du container en fait. Donc on va regarder, on va fixer ça tout de suite. On va en profiter de l'occasion. Je vais fixer. En fait, lui, Jenkins, il ne sait pas comment se présenter en soi. Je vais configuration system. Configure system. J'adore attendre. Et ici, je vais changer là pour dire que ton URL. Donc, Jenkins URL, c'est if, et voilà, save. Ça va être mieux. Je vais juste sortir de là. Je vais retourner. Je n'ai pas sauvegardé. Restriction. C'est chiant ça. Git, if. Là, l'URL en bas, il est bon. Et là, il me dit, le tag git, il est pour ce node-là. Puis j'aurais eu une liste s'il y en avait eu plusieurs. Donc, je fais save. Et je vais rouler avec des paramètres. Je pense que ça va planter. Toto, build. Il attend un petit peu. Il va l'exécuter sur le slave. Regarder le. Ah non, ça marche. Je l'avais corrigé depuis à ce moment-là. J'espère que j'ai laissé une. Ah non, c'est ça. Là, ça va pas marcher. Boum. Yes. Yeah. Cool. Parfait. Donc, si on regarde la situation, donc, je l'ai démarré bon, en tant qu'admin. Là, il m'indique sur quel slave ça a roulé. Et donc là, originalement, j'avais laissé une erreur que la commande git n'était pas installée, enfin qui disait git command not found, là, fait qu'il fallait que tu fixes le container. So well. Et ici, en fait, si on regarde, il dit, il n'a pas pu résoudre git lab SRV parce que j'ai pas le lien entre mon slave. Là, on est dans la situation de Docker. T'sais. Si j'avais une vraie machine avec des DNS, j'aurais pas eu cette problématique-là. Mais là, en fait, j'ai créé un link pour que Jenkins puisse communiquer avec GitLab, mais mes slaves, ils n'ont pas de lien pour communiquer avec GitLab. Donc, c'est pour ça que j'ai une erreur. Et là, on voit vraiment le stack trace, en fait, Jenkins de Java, là, qui comme, aime s'exprimer sur le cheminement. Et c'est du Java, là. C'est work as design. Donc là, tac 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 tac, could not init, parfait. Ok, ça c'était l'erreur que je vous disais avec le git command not found. Finalement, je l'avais rajouté après. Ok. Ah, j'avais pas couvert ça. Ok, so well, c'est pas grave. T'avais du freestyle. Je suis quand même étonné. Non, mais en fin de compte, il faudrait que je mette le link pour lui dire au slave. Ah oui, pourtant il y est là. Ah, mais c'est peut-être pas la bonne version. On va vérifier. Donc, ça va donner l'occasion d'analyser la situation. Donc, ici, si je regarde mon container, normalement, le GitLab SRV, il est défini à l'intérieur. Donc, le lien, il doit être là. Enfin, je vais juste regarder Docker PS, Docker. IT, slave 2, bash, ping. C'est ça.
SSH. Ok. C'est pas. GitLab, SRV. T'as pas l'air de. Mais quoi que là, je. Host. Net. Ah ouais, là, ça m'aidera pas. Ok. Moins VVV. Resolve, port. Ça prend du temps, on va voir. Comportement. Sinon, je vais l'arrêter, le redémarrer. Là, avec mon problème de DNS du début, j'ai comme un petit doute. Non, il aurait pas. Jenkins aurait juste pas réussi à communiquer avec le slave non plus. Ok, donc là. Ok, temporary name resolution failure. Parfait. Ce qui est super, c'est que vous voyez ce qu'on va faire. Je suis avec des Docker. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Je vais revenir ici, je vais prendre ça. Docker compose stop le slave. Puis, tu vas l'arrêter. On va le détruire. Normalement, notre slave, il doit être bon. Puis, on va le redémarrer. Hop, moins D. Jenkins là. On va. Stop. Delete. Peut-être que j'avais pas mis le link à ce moment-là. Ouf. Who cares? C'est des Dockers. C'est fait pour être détruit puis revenir. C'est pas grave. On va le recréer. Normalement, ma clé SSH, ça devrait être toute dedans. Si c'est pas le cas, ben, c'est le temps de le fixer. Oui. Est-ce qu'il est encore connecté? Oups. Donc là, il s'est reconnecté. Il a dû avoir une perte de connexion à un moment donné. Je la vois pas, mais SSH save process, donc il s'est reconnecté dessus. 33, sounds good. Et là, on va le relancer la job. Ça devrait le marcher. Parce que j'ai vraiment envie de faire le use case après. Bon, là, j'ai encore l'erreur. Même chose. Ah, non, mais ça a été. Ah ouais. Ouais. Pourquoi ça marche pas? J'ai le link. Bash, Jenkins, slave ça. Non mais où j'ai vu mon truc de. Tu vois là je n'ai pas le link. J'étais sous quoi. Ouais moi aussi je l'ai vu, mais j'ai dû ouvrir un autre. Ouais, c'est ça, avec ça quand on a 26 dans le truc. Là. Ok, cool, c'est pas grave. Hmm? Ben regarde, hein, je l'ai la commande. Ah, mais dans le use case, là, j'arrête pas. Là. Ah, j'ai oublié quelque chose, hop, on le rajoute, on le détruit. Mais tu sais, ce qui est cool, c'est que. C'est ça l'idée, là, c'est ça le principe. Là. Non, parfait. Donc, on va juste vérifier. Donc là, il est offline. Parfait, parce qu'il y a eu un arrêt. Je vais juste le relancer. Ah, magnifique, ça marche. Attends, already connected. Ah oui, ça, je l'ai. Ok, status. Ok, c'est bon. Et je vais redémarrer ma tâche. Pif. Ça va marcher, là. Yeah, les premiers coups, success. Ouais, ouais, c'est pas grave. Hein. Donc vous voyez, puis l'idée en fait, c'est que l'idée du Jenkins, tu sais, à chaque fois on l'utilise pour les builds, machin, mais tu peux l'utiliser pour tout n'importe quoi, là, pour rouler un petit script qui doit, enfin, pour générer des logs sur une machine qui va être prise par autre chose, et après tu l'utilises pour toutes les sauces là, que tu as besoin. C'est vraiment un orchestrateur, pas juste un continuous integration ou continuous delivery. Ça dépend de ton usage que tu as besoin. Là. Puis, t'es les multiplateformes, tant le Solaris que Windows ou autre. Là. Fait que c'est ça qui est intéressant. Là. Après, tu exécutes des tâches à l'intérieur. Ça met fin. Donc, comme je disais, vraiment l'importance d'utiliser Puppet ou n'importe quel système de gestion de configuration pour vous assurer que l'ensemble de vos slaves sont équivalents pour
les applications surtout. T'sais, pas que tu aies une application que t'sais, tu montes un nouveau, monter un nouveau, nouveau slave, là, une nouvelle machine de build, là, ça va pas prendre plus qu'une journée. C'était testé tout ça, là. En fait, normalement, en quelques heures, ça devrait être rendu. Là. T'sais, là, je parle de monter une machine physique, donc t'sais, le mettre sur le réseau, le kickstart et tout ça, là. Mais t'sais, en soi, là, t'sais, il devrait se configurer tout seul en roulant ton système de gestion de configuration. Parce que t'sais, si tu veux pas que ton build, mettons que tu as une ferme de build, là, mettons à notre niveau 4-5 machines, là, tu veux pas que de temps en temps ça marche sur une machine, de temps en temps ça marche pas, t'sais, je veux dire, ça va être vraiment long à déboguer, là. Il faut que tu aies une uniformité. Et l'avantage d'utiliser les labels, quand tu mets une nouvelle machine, si tu veux tester tes builds, t'sais, tu prends des cas types, là, si on peut dire, mais tu sais, tu rajoutes un label spécifique pour ton nouveau slave. Ah ouais, d'ailleurs, on va le faire. Je voudrais juste montrer une chose, parce que là, je trouve que la syntaxe est peut-être pas nécessairement la plus simple. Toi, mettons que ici, j'ai guide puis slave. Donc, si je retourne sur ma tâche et que je veux rajouter deux critères d'exécution, c'est où? Ici. Je peux pas mettre git puis slave, ça marchera pas là. Toi, il dit invalide. Donc, faut que tu mettes git et puis tu peux faire des combinaisons git et ou slave machin. T'sais. Donc, tu peux combiner. Fait que, juste pour le. Ça va laisser deux ou avoir une des deux? Faut qu'il y ait les deux pour que ça Faut, roule. c'est ça, faut que tu aies les deux labels pour que ça roule. C'est un et, tu pourrais avoir un ou, mais donc c'est. Mais l'aide est bien là quand même. C'est juste pour garder pour visualiser. Okay. Mais ce que je vais faire, donc quand je monte un nouveau slave, je vais prendre des cas types, puis je vais mettre slave new, tu sais, avec un tag comme ça. Comme ça va m'assurer qu'il va rouler sur lui. Ok, bon, le build là, il passe bien. Donc, ça me fait des use cases comme ça pour un niveau de confiance, pour pas que tous les builds ils crashent. Ouais, c'est ça. Une fois que c'est testé, j'enlève le new, puis là, on part du principe qu'il va rouler sur l'ensemble, peu importe lequel il pige. Si votre serveur, puis là, je me suis rendu compte tout à l'heure, au niveau des nodes, il faut qu'il y ait plus qu'un gig à l'intérieur du slash TMP parce qu'il met du stock dedans. Là. Sinon, le slave, il va se déconnecter tout seul. Disons qu'il n'y a pas assez d'espace, là. Mesure de. Non, c'est ça, mais je vais juste le mentionner là, surtout. L'avantage, c'est que tu peux voir les builds history. Là, j'en ai pas beaucoup, là, mais donc ça se regarde bien sur quelle node ça a été exécuté. Donc, voir l'activité d'une machine. Les deux erreurs, je m'entends. Les statistiques de load pour voir sur le slave ce qu'il y a. Donc, t'as quand même la visibilité. Je pense que tu peux ici, toi, hop, je le fais jamais là, mais. Exécuter des commandes arbitraires sur la machine, là, sur le slave. C'est du Groovy. Là. Hop, tu vois, là, il me donne le résultat. Si tu as des choses, tu pourras exécuter. Ouais, c'est bon, ça. Il y a quoi? 40? Ok. Des questions? Ok. Fait que là, j'ai bien réfléchi. And. Là, je remonte. On va commencer par le théorique, là. Je, tu sais, parce que là, je peux bien faire des présentations et tout, mais je cherchais un petit peu de montrer quelque chose de concret, un petit peu. Donc là, je vais juste, on va établir, on vous mettre l'eau à la bouche, si je puis dire, avec le use case. Puis c'est ça qu'on va voir pour la suite. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai comme je mets tout en container. Je mets plein de choses dans des Docker. Puis, ce qui se passe, c'est que, tu sais, là, je suis super excité, je teste quand je le mets en place. Puis, c'est la même problématique quand tu es tout seul à gérer des machines. C'est que, tu vois le produit, tu as envie de le mettre en place. Tu le mets en place, tu sais, ça marche bien. Mais le vrai défi, là, c'est pas le setup initial, là. C'est la maintenance. Tu sais, je veux dire, whatever, là, en tant que sysadmin, c'est ça la réalité de ton défi, là. Le setup initial, là, c'est. Tu as envie, tu mets ton temps, tu mets ton cœur dedans. Puis, la maintenance, ben. T'es moins motivé, mettons, à le faire. Donc, je me suis retrouvé à ce que j'avais quelques containers. Tu sais, exemple, là, je vais faire le use case avec un service de web dev où ben, je n'osais plus trop y toucher.
Tu sais, je dis, ah, il marche. Voilà, ça va me prendre combien de temps, le tester, puis valider que ça ne va pas crasher mon nouveau container. Est-ce que je mets à jour, parce que j'ai toujours le from Ubuntu ou le from HTTP. Tu sais, si je le mets à jour, ça va-tu casser mes sets que j'ai fait, puis tu sais, ma config. Donc, tu sais que ça marche, c'est une utilisation à l'interne. Quand, oh, c'est pas grave. Donc finalement, tu le fais pas. Parce que là, tu te dis, tu as un nouveau projet, tu as de la formation, machin à faire. Tu le repousses, tu vois le billet, puis finalement, tu le fais pas. Donc là, je me suis dit, bon, ben, il faut que je me trouve un projet qui va quand même me motiver à faire pour essayer d'adresser cette problématique. Hein, tu vois, le DevOps, hein, il travaille fort pour essayer de rien faire après, mais il n'y arrive jamais à rien faire. Là, mais c'est pas grave. Tu sais, le mind thinking, c'est ça. Là, c'est le comble de la paresse. Là. Donc, c'est la situation de que je voulais. En fait, ma problématique. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais mettre en place un système de validation qui va me permettre de, quand je crée un container, que ce dernier s'auto-valide. Okay? Donc, je travaille fort lors de la mise en place pour faire des use cases, des unit tests ou des tests d'intégration sur mon container, et que quand je fais des modifications à l'intérieur, ben mon système, en fait l'idée c'est, j'édite mon repo Git, que je fais des modifications dans mon container, le script d'initialisation, peu importe, la config, l'update du from ou peu importe. Une fois que je fais la modification, automatiquement le Jenkins va extraire le dépôt, va faire les validations syntaxiques en buildant le container. S'il y a un problème, il va s'arrêter, il va failer tout de suite. Si ça a bien buildé, parce que là, il n'y a pas de problème, donc on sait que syntaxiquement, le container est opérationnel. Est-ce qu'il marche? On ne sait pas, mais tu sais, syntaxiquement, il réussit à se builder. Après, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des tests d'intégration, unit tests un peu moins parce que c'est moins du code, donc c'est plus de l'intégration au niveau. Et si le unit test marche, ça veut dire que mon container est fonctionnel dans son intégrité, il sera poussé à l'intérieur mon Docker Registry. Okay. Ça, c'est le use case. Dans la pratique, mon Docker Registry, il est quand même, vu qu'il est pas mal local, je ne l'ai pas poussé, là, je l'ai commencé à mettre Portus pour pouvoir l'avoir, mais bon, pour le moment je pousse pas là, c'est un petit bout qui me reste encore à faire. Faut se garder du plaisir dans l'ensemble. Donc, les requis pour pouvoir réaliser cette belle opération qui, comme en 4 points, c'est 4 points, mais ça doit être tellement rapide à faire là, je vous dirai pas le temps que j'ai passé. Donc, il me faut un slave qui est capable de faire du container, du Docker évidemment. J'ai besoin du serveur GitLab avec l'ensemble des gestions des branches parce que j'ai pas envie de travailler toujours sur le master parce que pendant que je suis en train de travailler, j'ai une branche. Il faut que la configuration, donc la mise d'un webhook, donc quand je commit à l'intérieur ou quand je pousse dans mon GitLab, automatiquement Jenkins le sait. J'ai pas envie d'aller, ouais, je pourrais venir ici, cliquer là, mais il y a le feature là, fait que je veux l'intégrer. Devra donc mettre à jour. Ok, ce que je me suis dit, c'est que Jenkins, ça serait bien qu'il me dise quand il a fait le build, fait que je commit aussi un fichier tant qu'à y être là pour dire à quel build il a fait là. Ouais, j'étais rendu là, ça j'y reviendrai après. Et la gestion des tags pour fixer les versions. Donc c'est vraiment du DevOps là, classique si on peut dire. Bon, à chaque fois on parle de la résistance au changement. Ok? Souvent je vais avec je fais le pèlerin là, à dire, pour évangéliser le people, mais tu sais, moi je suis comme tout le monde, hein, moi aussi ça me fait chier de changer, hein. Fait que j'avais une grosse contrainte qui s'est située à ce que mes containers sont tous dans le même projet. Donc j'ai un projet Docker et dedans j'ai plein de petits répertoires qui contiennent chacun des Dockerfiles, des Docker Compose et tout ça. Ma problématique, c'est que l'utilisation de ces sous-répertoires par container a excessivement compliqué ma mise en place de ma solution. Si j'avais eu un projet par container,
Donc, tu sais, ça aurait été beaucoup plus facile parce que j'aurais extrait juste le répertoire, je l'aurais buildé, etc. Là, dans mon cas, ben, j'extrais tous mes containers, puis il faut que je sache si c'est un commit qui s'est fait dans un des répertoires que je gère. OK? C'est juste que le problème, là, je l'ai tué ici. Là. Je pense, mais ils sont pas publics. Fait que, ben, je vais vous montrer un petit peu. C'est juste que j'ai tout ça de container. J'ai pas envie de faire un projet. Puis ça grossit là. Là, j'ai pas fait un guillemets. J'ai pas extrait là. Mais j'ai tous ces containers. Donc, t'imagines s'il faut que je fasse un projet pour chaque là, alors qu'il y a comme 4-5 fichiers dedans là à chaque fois là. J'ai pas eu le cœur de faire ça. Puis là, je me suis dit, de toute manière, cette réalité-là, ça va se reproduire un jour dans ma vie, là. Fait que, autant saisir l'occasion et l'opportunité de traiter justement ces exclusions de situation. Ça fait ça en souci. Ouais, c'est ça. Fait que je vais m'arrêter là. Ça, c'est la description du use case. Je vais aller voir 47. Puis, on va voir un petit peu. Attends, je peux tuer là. Ouais, comme ça, on aura. Donc, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un slave qui a la capacité de Docker. Parce que là, j'ai juste une machine, j'ai juste mon laptop. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un deuxième slave qui aura Docker d'intégrer, mais ça sera le même Docker que mon Docker host. You know? Fait que, OK. Ici, j'ai mon Jenkins qui roule dans un Docker. Donc, c'est un container. Ici, ce que je vais ajouter un slave qui sera aussi un container avec Docker dedans, qui sera capable de un container qui build.container. C'est fou, hein? Tu peux faire ça. Non, mais Riot Games fait ça. Ça vient pas de moi. Ils sont bien plus hâte que moi. Donc, mon container qui sera un container buildera.container, puis. And so. C'est ça. Fait que ça va être ça l'idée là pour. J'ai essayé de garder ça simple du plus possible là. Mais bon, c'est encore un work in progress. Ouais, c'est ça. Donc on va voir justement la mise en place de ces containers. Donc oui, effectivement, on va avoir beaucoup de containers pour faire cette solution. So well. C'est sûr que la doc va être assez longue parce que ça va être un projet. C'est pas la meilleure solution, ok? Là, j'allais dire ma V1. Okay? C'est un prof de concept. Je travaille en ce moment sur la V2. Parce que t'es. Oui. Faut bien pas occuper son temps. Je travaille sur la V2 avec l'utilisation des pipelines puis Maven. Maven qui est le système un petit peu. Parce que là, aujourd'hui, comme moi je suis vieux, je connais bien Makefile. Fait que j'utilise des Makefiles pour faire mon orchestration, mais je pourrais utiliser Maven aussi. Fait que c'était juste plus rapide de faire un Makefile que commencer à faire du Maven. Donc là, après, là, je suis en train de rajouter avec Nexus et tout ça, là. Puis surtout la question du. Blue Ocean Pipeline. Et là, une image, parce que c'est toujours plus sec, ça. C'est là-dessus que je suis en train de travailler en ce moment. Pour avoir quelque chose d'un peu plus sexe. Pour avoir justement là, le concept de pipeline entre le processus de build, les tests unitaires que je vous parle. Puis là, moi, je n'ai pas tout ça, là, mais c'est ça l'idée, là. C'est là-dessus que je suis en train de travailler. Je suis pas sûr qu'on. Là, on va commencer par le premier step, là, où c'est juste un script, puis c'est plus facile. Mais après, l'idée, c'est de prendre ce script-là, puis de le découper pour avoir le système de pipeline. Bon, je m'arrête ici, puis on continuera la semaine prochaine.